Vous pouvez réouvrir le fichier que vous avez enregistré précédemment. Celui qui termine par 03. 100map-03. Voilà. Touche F pour passer plein écran. Et voilà. Alors voilà. On va créer la carte pour le déplacement des pixels. Elle va ressembler à quoi? Ben, ça va être ça, sans le texte. Donc vous allez temporairement enlever l'œil en face du calque de texte ou en face du groupe qui contient le calque de texte, peu importe. En tout cas, le texte n'est pas visible. Et vous allez enregistrer une copie de ça. Fichier, enregistrer une copie. Dans le dossier dans lequel vous avez été chercher l'image. Ça pourrait être n'importe où, enregistrer n'importe où, mais soyons propres. Ok, et alors je vais la renommer complètement. Bien sûr, l'extension va être PSD, mais je vais appeler ça la map. Voilà. Enregistrer. Ok. Bon. Donc, si je vais voir, le nom du fichier ici n'a pas changé, puisque c'est une copie que j'ai faite. Je suis toujours bien en train de travailler sur le 100map-03, mais j'ai enregistré une copie qui s'appelle la map. Et je peux réafficher le texte.